Oh, quel beau rêve! Hein? Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh, je crois qu'il faut pas que je dors. Vite, j'étais tellement fatiguée, j'ai dormi avec mes chaussures. Ça y est, je porte mes chaussons. Et toi, tu te tais. Ah, voilà, j'ai envie de dormir. Mais là, c'est pas le moment. Je vais regarder si les filles sont en train de dormir. Elles sont encore en train de dormir. On fait pas de bruit. Surtout, il faut pas réveiller les jumeaux. Les jumelles doivent aller à l'école. Mais toi, arrête. Allez, on y va. Je vais aux toilettes. Ça sent mauvais. Je vais faire le nettoyage après. Ça, c'est pour que les toilettes sentent bon. C'est un shampoing, mais bon, il fera aussi l'affaire. Alors, ensuite, je crois que je vais prendre mon bain. J'enlève mes boucles d'oreilles. Ah, ça fait du bien. Un bain bien frais. Ça me réveille. Ça y est. Je peux porter de nouveau mes boucles d'oreilles. Ensuite, je vais me laver le visage. Hop, voilà. Ensuite, je vais me brosser les dents. Alors, ma brosse à dents, hop. Voilà, c'est bon. Je mets un peu de dentifrice. Et ensuite, je me brosse les dents. Je n'oublie pas de fermer le robinet. Ça y est, je crois que ça va suffire. Ah ben voilà, j'ai des dents toutes propres. Bon, je vais laver mon visage. Ensuite, un peu de fond de teint. Hop, une crème, voilà, pour me sentir bon et bien hydraté. C'est très important. Elle est où la brosse? J'oublie pas de me coiffer, hop, voilà, ça y est. Bon bah je suis prête, il faut maintenant réveiller les filles. Je vais d'abord commencer par réveiller Rose. Rose, ma puce, Rose, il est l'heure d'aller à l'école. Rose, tu sais que il fallait dormir un peu plus tôt hier soir. Tu as dormi à 21h, je t'avais prévenu. Allez Rose, lève-toi. Rose! Hein? Quoi? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il faut aller à l'école. Rose! Hein? Hein? Quoi? J'ai fait un cauchemar. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Oh non, il faut aller à l'école. Oui, Rose, il faut aller à l'école. Oh, j'ai trop faim, maman. Le petit déjeuner, on va le prendre après. Va aux toilettes d'abord. Je suis fatiguée. Ok, j'y vais. Mais pourquoi c'est moi en première? Parce que hier, c'était Mia qui s'est réveillée en première. Vas-y, va aux toilettes. Il ne fait pas de chichi. Ok, d'accord, maman. C'est injuste. C'est toujours moi. Je vais en première. De toute façon, j'ai le temps. Je crois que je vais dormir ici. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant à l'école? Je dois embêter quelqu'un. Ma sœur, Mia? Bon, eh bien, allons réveiller Mia. Mia, ma puce, il est l'heure de se réveiller. Allez, réveille-toi, Mia. Oh my god! Maman, j'ai fait un cauchemar. Quoi? Un cauchemar? Oui, maman. Un cauchemar. Et tu sais quoi? Tu avais quitté la maison avec papa et les jumeaux. Ah oui, pour un cauchemar, c'est un cauchemar. Bon, discute pas. Rose est aux toilettes. Vas-y, viens. Ne fais pas de bruit, sinon les jumeaux vont se réveiller. Ok, maman. Bon, eh bien moi, je crois que je peux me changer. Alors, ma tenue du jour, je prépare mes tenues la veille. Voilà, comme j'ai pas le temps. Hop, ma montre, je l'aime trop. Ensuite, les chaussures. Voilà, ça y est. Bon, bah moi, je peux aller préparer le petit-déj. Leur papa se réveille tôt. Il est déjà parti au travail. Pour le petit-déj aujourd'hui, nous allons prendre quoi? D'abord, les assiettes. C'est une nouvelle cuisine. Je sais même pas où j'ai posé les assiettes. Oh, elles sont là. Moi aussi. Je vois pas bien, on dirait. Une ici, une pour Rose. Voilà, les jumelles, c'est ici. Et je vais prendre un bol pour moi. Hop, voilà. Bon, on va leur préparer quelque chose à manger. Oh, le frigo, il est vide. Bon, eh bien, aujourd'hui, ce sera seulement des brioches. Hop, voilà. C'est dommage, il n'y a pas de Nutella. Et en même temps, le sucre, c'est pas très bon. Voilà donc pour Rose et une brioche pour moi. Je crois que je vais aller faire les courses une fois que les filles seront parties à l'école. Hop, voilà. Bon, reste plus qu'à les attendre. J'espère vraiment qu'elles vont faire très très vite. Parce que, vu Rose et Mia, elles prennent beaucoup de temps dans la salle de bain. Mais en tout cas, j'ai préparé leur uniforme. Et il est trop beau. Ah, oh, ça me rappelle mon collège. L'époque où j'allais au collège. C'était trop bien. Mais elle prend du temps, Rose. Rose, Rose, depuis tout à l'heure, tu es dans les toilettes. Et t'es même pas encore sortie. Ah, t'avais oublié. Je dois aller à l'école et aller aux toilettes. Oui, fais vite. À cause de toi, je vais être en retard à l'école. C'est bon, relax. Regarde. Ça y est, tu peux y aller. Et la chasse d'eau, tu te débrouilles, Mia. Ça sent pas bon. Et alors? On dirait que toi, t'es jamais allé à la toilette ou quoi? Bon, ma brosse à dents, le dentifrice, hop. Et
je me brosse les dents. Mais pas juste. La prochaine fois, tu sais quoi, Rose, tais-moi. Je vais me réveiller avant toi. Ok. Comme tu veux. Oui, comme je veux. Je me lave les mains, le visage aussi. Ensuite, ma brosse à dents, mon dentifrice. Voilà, moi, je suis venue. Je peux me laver les mains. Ouh. Savon. Parce que la vie est rose. Je vais aussi prendre un peu de blush, comme maman. Hé, tu copies maman, c'est pas bon. Le maquillage, c'est interdit pour nous. Oui, pour toi. Mais moi, je suis grande. Je te signale que nous sommes des jumelles. Ouais, j'avais complètement oublié. Alors, ma tenue. Waouh, mon uniforme. Trop cool. Et les chaussures. Pourquoi ne pas porter de nouvelles chaussures? C'est cool. Alors, elles sont ici. Waouh, la classe. J'aime trop. Bon, tout ça. Je pose ici, voilà, avant que maman s'énerve. Et je peux prendre ce sac? Ouais, il est trop bien. C'est bon, je suis prête. Ouh, c'est bon. Je suis là. Maman, tu dors? Oui, oui, je vous attendais les filles. Allez où Mia? Mia? Tu sais qu'elle prend beaucoup de temps. On mange quoi là, maman? Une brioche? C'est tout? Y a pas quelque chose d'autre? Y a pas de Nutella, maman. C'est normal? Oui, c'est normal. J'ai oublié de faire les courses. Ok, je sais pas comment je vais faire sans Nutella. Bref, je vais quand même manger. Ça va, j'avais pas de goût. Heureusement que j'avais pas de goût. Toi, tu manges, mais je sais pas comment va faire Mia. Imagine, elle aime pas. Je sais pas, maman. Mais Rose, qu'est-ce que je vois? Et tes chaussures noires? Il faut bien respecter l'uniforme pour aller à l'école. Tu sais qu'ils sont très stricts dans ton collège. Je sais, maman. T'inquiète. Moi, je sais bien m'y prendre avec les professeurs, les élèves et les proviseurs. Je sais pas quand est-ce que ma fille Rose va comprendre. T'inquiète, maman. Tout va bien se passer. C'est pas possible. Rose, elle range même pas les brosses à dents. C'est tout le temps à moi de ranger tout. Voilà, c'est bon. Je vais me brosser les cheveux. Hop, ça y est, là, je pose ici. Et j'oublie pas de m'essuyer le visage. Voilà, tout est propre. Je peux maintenant me changer. Oh, elle est déjà partie? Alors, moi aussi, je vais me changer. Bon, je fais pas de bruit. La chambre des jumeaux est juste de ce côté. Alors, ma tenue. Hop, et les chaussures. Voilà, ça y est. Reste plus qu'à prendre mon sac. Le voici. Allez, on y va. Maman, c'est bon, je suis prête. C'est bon? Vous n'êtes pas encore partie, j'espère? Mia. Bon, bref. Non, Mia, nous sommes pas encore partis. On t'attendait. Fais vite. Je vous attends dans la voiture. Je peux pas attendre très longtemps. Mia. Prends ton temps. N'écoute pas ta sœur. Alors, tu as bien révisé? Oui, maman. Et je vais pas aider Rose cette fois. Ah bon? Mais c'est ta sœur. Si elle a besoin de ton aide, tu peux l'aider. Non, maman. Ce sera sans moi. Il n'y a pas de Nutella. Oui, je sais. Je sais que tu n'aimes pas les brioches simples. Mais mange, tu verras. C'est croquant, c'est croustillant. Vas-y. Bon, d'accord, si tu le dis. C'était pas bon. Bref, on y va, maman? Oui, les filles. Allons-y. Cool. J'ai hâte de retrouver mes BFF. Ok, les filles, attendez-moi. J'arrive. Bon, les amis, j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois m'occuper des jumeaux, faire les courses. Je crois que je vais dire à une babysitter de venir ici. Oui, attends, mets-toi ici, Adam. Ah oui, je vous ai pas dit? Ça y est, j'ai choisi les prénoms. Alors, nous avons pris Adam pour celui qui a un peu plus de cheveux que Hercule. Voilà, Adam et Hercule, vos prénoms qui ont été choisis par vous pour les jumeaux. Ils sont là. J'ai Hercule et Adam. Voilà, mes deux chouchous du moment. Vous savez quoi, les amis? J'ai beaucoup de choses à faire. Je vous laisse ici. Je dois demander à une babysitter de passer par ici. Et moi, pendant ce temps-là, je ferai les courses. Merci à tous d'avoir regardé mes aventures sur Avatar World. Ah mais je vous ai pas dit, regardez le journal de Miss et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec la famille Misslicious, ma grande famille sur Avatar World. Gros bisous à tous. Ah oui, j'ai oublié, n'hésitez pas à me donner des idées de roleplay, je serai très heureuse de faire pour vous. Merci à tous. Voici donc le dernier commentaire de la chaîne de Miss Queen qui s'affiche juste devant votre écran. Et les deux personnes à être abonnées à la chaîne s'affichent ici. Voilà. Si toi aussi tu veux faire partie du journal de Miss Queen, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Allez, on passe pour la vidéo du jour.